Peggy 18. Salutations à vous, les rôdeurs. La suite de la mission commence. On va d'abord trouver l'esprit du Mordor. On va découvrir cette mission ensemble. Salutations tout le monde. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons nous faire cette mission l'esprit du Mordor. Les violentes luttes du pouvoir permettent aux Uruks de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orques les plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter cette lutte en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Un esprit d'orque en particulier brille telle une vision écrasante de faiblesse. Rôdeur, approche si tu veux la main noire. Et ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles. Mais si tu coupes ces cordes, Drapak te dira tout ce que tu veux. Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts, hein? Vas-y, espèce de chac, fais-le! Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête et mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Radbag peut t'en dire plus sur les orques. Radbag peut faire marcher ton plan. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Je les traquerai. Ah, comment? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Radbag te montrera le chemin. Tu aides Radbag. Radbag t'aide. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques Caragors. Viens avec moi, Rôdeur! On ne peut pas se fier à ces esclaves prêts à vous frapper en traître. Au moins, les Uruks attaquent de face, et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rôdeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place. Quelqu'un comme Radbag. C'est ce Goroth qui commande? Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Radbag pour devenir chef de guerre. Alors, prépare-toi à lui passer sur le corps. Comment tu t'es libéré, vermine? Passe dans son dos! Attrapez-le! Occupez-vous du rôdeur, pas de moi! C'est une cible plus facile! Son épée est cassée! Fichez la paix à cette vermine, Uruk! Venez plutôt m'affronter! Arrive-moi!
Et voilà que je défends un héros, n'importe quoi. Et l'autre qui se défend même pas. Maintenant, imagine que tous ces corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Ratbag. Goroth va le payer, oui. Cette Shrak va le payer cher. Goroth garde des Karagor dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je parie que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Goroth est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader le capitaine. Alors, je dois chercher Goroth sans déclencher l'alarme. Il faut que je sois très discret. Et ben c'est raté. Ouh là là, la chance. Ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer un petit somme. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du camp de chasse. Goroth est dans le camp de chasse. Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Goroth. On approche. Bon, laquelle de ces vermines est Goroth? Ouf. Et voilà, c'est fini. Personne n'y a vu rien. Que du feu. Un coup d'œil.
J'aurai d'autres corps à transporter. Retrouvez-moi au carrefour. Un vieil ami va bientôt perdre la tête. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a pu apprendre un peu plus sur la façon de jouer, de battre les capitaines, comment les capitaines montent de grade en fait. Et donc il va falloir qu'on tue les chefs de guerre. Les chefs de guerre, je suppose que c'est les... Comment dire ça? Les sous-fifres directs de la manoir. Du coup voilà, je vais m'arrêter à là. Et à la prochaine.